On y va. On est des dresseurs Pokémon. Et nous allons aller jusqu'au bout du monde pour trouver des Pika Pika. Non, des Pokémon. Pourquoi tu crois qu'il y a quelqu'un qui c'est Dragofeu là-haut. Ouais. Qu'est-ce que oh non. Mamie, elle a dit qu'elle a vu la queue de Dragofeu. Si, si, elle l'a vu dans le jardin. Si, elle a dit j'ai cru voir la queue de Dragofeu. Dragofeu. Et tout le monde sait qu'aujourd'hui il a une grosse queue. Donc forcément, si elle l'a vu déjà, c'est. Si on suit sa queue, normalement on devrait pouvoir le trouver. Il a une grosse queue de 2 km. Déjà ici, il y a un Pokéstop. Alors on va. Hein. Voilà, Pokéstop, on va le choper. Ah merde, ça va trop tard. Moi j'ai éteint mon téléphone. Hop, hop, hop. Pokéstop. Oh. Oh, j'ai peur. Pouki, pouki, c'est toi. Ça va vite là. Y'a un Pokémon. T'inquiète pas, ça va trop vite là. T'inquiète pas, n'aie pas peur. C'est beau, c'est magnifique. On vole. Regardez. Arrête. Regardez la belle ville de Grenoble. Ça va trop vite là. Regardez. Ça fait 30 ans que c'est en service. Moi aussi j'ai peur. Ça fait 30 ans que c'est en service. C'est la raison. Ça fait 30 ans. Regarde, ça a jamais. Oh. Arrête. Arrête, arrête, ça se fait pas. Moi aussi j'ai un petit peu peur, mais ça se fait pas. Ouais, il est où le con là. Oh, roucoule. Eh, roucoule. Eh, roucoule. Bouge pas, roucoule. Bouge pas. Eh, Momo, tu sais que tu vas avoir un meme sur toi. T'as peur, sérieux? Oui. Moi aussi j'ai un petit peu peur. Ah, t'es gâteau de nez. Regarde pas le. J'allume d'un coup de queue. Assieds-toi. Vous avez trop peur. Mais c'est. Non, mais nous on a peur du vide, c'est comme c'est, ça. C'est. Oh bah. Mais écoute, regarde pas le sol, regarde pas le sol. Si je me retrouve en train de tomber, j'aurais peur aussi. Mais je suis tombé le. Mais il faut avoir confiance. Mais il faut. Ta gueule, il faut avoir confiance en l'humain, merde. Je comprends pas, arrête. Il faut avoir confiance en l'homme. Tu veux redescendre comment? Oh, y'a que des roucoupes. Ça bouge là. Enfin non, c'est pas. T'inquiète. C'était un roucoupe, ça. Putain, ça fait mal. Imagine, ça tombe. Y'a un roucoule encore. Ça tombe pas, t'inquiète pas. Roucoule, bouge pas. Bouge pas, Marcus, il est sur toi. Il est sur ta bite. Ah. Bouge pas. C'est dégueulasse ce que je viens de dire, j'essaie. Mais bon, il était sur sa bite, donc tu vas. Allez, on va l'attraper. Allez. Pense à autre chose, moi aussi. Allez. Pense à autre chose, pense au Pokémon. Spaghetti. Pense au Pokémon qu'on va attraper là-haut. Spaghetti. Oui. Je sais pas. Oh putain, mon personnage, il a volé. Oh, tu sais qu'il y en a en haut, mec. Y'a quoi en haut? Y'a des Pokéstop. À max? Ah ouais. T'inquiète, c'est juste de l'air. C'est juste de l'air. Et là, c'est si on tombe dans les montagnes. Mais non, on tombe pas, on va pas tomber. Bon, pour ceux qui veulent voir un peu la ville de Grenoble, n'hésitez pas, j'ai fait un vlog récemment qui vous montre un tout petit peu la ville. Ici. Ouais, c'est magnifique. C'est magnifique cette ville. On habite dans une ville. Ça fait longtemps que je suis pas monté en bulle. J'ai envie de dire, alhamdoulilah quoi. Voilà. Oula. Ah, ça bouge, t'inquiète, je te arrête d'avoir peur. C'est parce qu'on arrive. Parce qu'on arrive là. Un dresseur Pokémon a besoin de boire un peu de coca, merde. Hein. Parce qu'on arrive dans 30 minutes. C'est vrai, dans 30 minutes on arrive. Parce que... Ça va, 30 minutes. Non. Parce qu'en fait, normalement ça va faire 2 minutes. En fait, ça fait double tour. Ça fait le tour de Grenoble. À plus de 130 km. Non. Au bout d'un moment, on va chuter. Et en fait, tu vas la foire. C'est la même chose. Regarde, le train comme il est tout petit. Sauf que là, on a pas de ceinture, tu vois, donc. Tu tombes à la pose de terre, tu vois, tu vas faire comme dans l'espace. C'est bon, là, on peut tomber, c'est pas grave. Bah, si. Bah, là, non, si, c'est. Si, non. Si, c'est grave. Bon, ok, il y a des arbres en bas, mais non. Mais non. Bah, si, c'est tombe sur ça, ça se casse. Bah, là, on se casse ta gueule, ouais. Là, non, là on se fait mal, hein. Vite. Et surtout, autour, il y a pas de ceinture, il y a que du fer. Une planche en bois ici, du fer bois, ici. Là, c'est du bois, là, c'est du fer, là, c'est quoi? C'est du T'es plexi. T'es sûr que là, ta gueule, tu l'as plus. Ouais, c'est du plexi, donc ça casse facile. C'est bon, là, on peut tomber. Là, je suis vraiment d'accord. Non, mais là, non. Là, au-dessus, là. Putain. Abdel, ça bouge. Evoli, si, ça avance. Evoli, dis-moi que t'es fort, frère. Ouh, bouge pas, Marcus, putain. Bouge pas. Putain, on est arrivé, je sais, mais. Combien 247, Evoli. J'ai sur mon portable, dis-moi. Non, c'est bon, t'inquiète. Non. Je peux laisse-moi tranquille. Oui. Vas-y, Evoli. Evoli, s'il te plaît, par bas. Nictara, allume-toi. Là, on peut tomber, vous êtes pas d'accord? Non, on roule. C'est une boule. Ouais, la boule derrière, elle va nous pousser, elle va nous projeter derrière. Et on va se casser la gueule, ouais. Malheureusement. Donc voilà. Et ouais, je suis encore au jardin de ville. Oh putain, mais regardez les poussières que j'ai. Regardez juste les poussières. 31 700 de poussière. Et là, on va où? Bah, on descend. Bah, pourquoi? Parce qu'on a fini. Voilà, et comment on y va. Pour descendre? Suivez-moi. Mais c'est bon, on est descendu. Et on descend en bas comment? Mais on va redescendre par là. À pied? Bah non, à boule. Ah, il y a des petits monuments ici. Est-ce qu'il y a des Pokéballs? Yes. Non, on a pris aller-retour. Enfin, je crois, hein. Ouais, j'ai pris aller-retour, ouais. Regarde ce que j'ai chopé. Un Evoli? Attends, non, un Nidoran. Un Nidoran? Niveau combien? Bon, il est nul, hein, niveau 55. J'ai chopé un Evoli, niveau 247.
du coup, on va aller où là? Bah on monte, non? On monte là-bas? On monte là? Bah je pense, ouais. Tu crois qu'il y a des Pokémon par ici? Bah regarde, s'il y a des Pokémon qui stoppent et après on se pose, on se met un encens et... Ah, il y a un Pokémon. On se pose 30 minutes. Et puis ils ont l'air d'être plutôt bon niveau ici, les Pokémon, hein. Oh putain, ouais. Putain, avec la vue derrière de Grenoble, ça passe bien. 179, bouge pas, il est au-dessus de ta tête, bouge pas, tu vas le faire fuir. Oh merde, je l'ai raté. Je l'ai raté. Putain, Nesferapti, c'est vraiment plus chiant, en plus il bouge dans tous les sens avec sa gueule là. Montre. Ouais, là il vole. Bouge pas, j'ai dit. J'ai 344 bonbons. On monte. Allez, c'est parti. Il y a un Ponyta pas loin. Il y a un petit Ponyta pas loin. Allez, on chope des petits trucs vite fait. Là-bas, il y a un module qui a été activé, vers là-bas. Il y aurait pas un poney qui aurait le feu au cul ici? Si tu continues à apparaître dans ma vidéo, je me verrai dans l'obligation de te foutre une balle dans la gueule. Je suis désolé, vas-y. Ou une pierre. Vas-y, une pierre. Ou ma bouteille de coca. Ouais, la bouteille de coca sur le bouchon, ouais, ça fait bien mal. Ah, attends, attends. Oh, on s'est approché. On s'approche de Ponyta. Il est en train de sauter, il est en train de sauter là. Est-ce que quelqu'un sait faire le bruit du poney ou voilà, du cheval? Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal aussi. C'est pas mal. C'est pas mal. Il y a un mec qui a activé des modules. Il y a un Thug Life juste en bas, pas ah loin. Ah ouais, il y en a deux. Juste là-bas là. Il y a un mec, c'est un Thug Life. Il est arrivé, il a posé ses deux modules. Ouais. Il a dit qu'est-ce qui se passe. Il a fait qu'est-ce qu'il y a. Je viens dans la Bastille, je pose des modules. Ça dit qu'on a trois pas. Mmh. On a fait plus que trois pas et on s'approche pas. Hein. Ah, on c'est trois pas de Ponyta, c'est pour ça. On va descendre. Le secret de leur pouvoir, Pokémon, attraper les touches. Fais attention bébé, il y a la belle à côté de toi là. Oh sombre merdeuse, on t'a rien fait donc tu nous laisses tranquille. Et en fait c'est un nid. Ah y'a un nid. Un nid. Ah, putain, mais d'accord, alors on y va, on file, un nid d'abeille. Ils nous ont niqué ça, on y va. Dans le tuyau. Ah ouais, carrément. D'après ma calculatrice. La calculatrice. Les modules devraient se trouver pas loin de nous. Ah ils sont en bas là-bas, Dale. Non, les modules sont là-bas. Bah ouais. On descend. Non, c'est pas vraiment en bas. Si, quand on descend. Donc on y va là, c'est parti. Ouais, il y a deux chemins là. Ah. Ah, t'as quelque chose toi? Yes Momo? Voilà, j'en ai eu un. Putain, il a bugué. Ah. Oh putain, mais c'est pas possible. Là, tu sais ce que j'ai chopé? Un Nosferapti. Cool ta life. Pardon? Qu'est-ce que t'as dit? Cool quoi? Tu vois comment t'es petit? Hein, tu rigoles d'un coup, tu es beau. C'est quoi ça? Bon, attends, il est où le con? Putain, niveau 10. C'est quoi? Je me casse. Oh, bougez pas, putain. Supporifique, niveau 284. Monsieur, faites pas de bruit. Non. Faites pardon. Pas de bruit, il y a un espérable. Pardon. Voilà. J'ai voilà. Voilà, je l'ai. Oui, je l'ai attrapé, je vous en prie. Merci. Non, il a bugué. Otaria est pratiquement niveau 300. Putain, Momo, si tu me le piques, t'as vu ta bouche. Pique-le, pique-le, moi j'ai envie d'en avoir. Non. Méga, allez, s'il te plaît, bug pas, je t'en supplie. Bug pas. Oui, tu l'as trouvé ou pas? Tu l'as trouvé? Il a pas bugué, sors pas de la Pokéball. Sors il pas a de la Pokéball. Ah, yes, non. Il a marché. Yes! Non. J'ai un nouveau Pokémon. Oh! Attends. Ah, Ivoli. Je sais que c'est un Pokémon que j'avais pas. J'ai vu une queue. Et du coup. La queue de Dragofeu? Ouais. On la cherche. Dragofeu, putain. Oh, il a des points d'interrogation. Donc logiquement, ça doit être un assez bon Pokémon. Alors, ce que je fais, c'est que je vais lui envoyer une petite mûre. Voilà, petite framboise, tu préfères. Tu trouves pas? Et je vais prendre la super. Ah oh non, la super, elle est partie à côté, putain. Rattrape-la, Momo, elle est sous les escaliers là-bas, la super, elle est partie. C'est bon? Bah non, faut que tu ramènes la Pokéball. Non, ça a bugué. Mais putain, mais c'est pas... La Pokéball, elle est en train de tomber en bas.
Salam alaikum à tous les frères et sœurs, j'espère que vous allez bien, que tout va bien et que votre famille et tous vos proches se portent bien. Comme d'habitude, j'espère que vous avez également aimé cette vidéo. Comme d'habitude les frères et sœurs, si vous aimez, n'hésitez vraiment pas à exploser la barre des likes, je compte sur vous, on peut faire les plus de 5000. N'hésitez pas à la partager et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Mais avant tout, je tiens quand même à vous montrer un peu les Pokémon que j'ai pu avoir. Pourquoi on a arrêté le rec au bout d'un moment, on n'a pas allé jusqu'au module? Pour la simple et bonne raison qu'il n'y avait plus de place dans la canon, il n'y avait plus de carte mémoire. Et c'est bien pour ça qu'avec Léon, on a acheté une carte mémoire 64 gigas. Voilà. Donc je vais vous montrer un tout petit peu les Pokémon que j'ai. C'est parti. Je vais vous montrer un tout petit peu, je pense que vous allez apprécier un tout petit peu. J'ai enfin décidé de faire évoluer mes Pokémon. Donc c'est parti, on rentre. Hop, Pokémon. Et je vais vous montrer un tout petit peu les Pokémon que j'ai. Donc voilà, mon Roucarnage 1022. Mon Pyroli, tout simplement, 975. Mon Nosferalto, voilà, 904. C'est bien sûr des Pokémon que j'ai décidé au bout d'un moment de faire évoluer, voilà, pour certains. Voilà, Hypnomade, Krabos, voilà, plusieurs Pokémon. Je vous montre un tout petit peu tout ce que j'ai, voilà. Vous voyez un tout petit peu, je descends un tout petit peu, voilà. Histoire de vous montrer un tout petit peu, je vais doucement quand même, pas trop vite. Voilà, je vous montre un tout petit peu. J'ai quand même décidé de faire quelque chose de super beau pour la vidéo, c'est de faire évoluer un tout petit peu mes Pokémon. Je me suis dit pour les faire un peu évoluer, ça pourrait être pas mal. En tout cas, j'ai pour moi les Pokémon principales de Pokémon, entre guillemets. J'ai Salamèche, Carapuce et Pikachu. Il manque juste un seul, Bulbizarre. Et j'aurai vraiment, à mon avis, les Pokémon les plus connus, hein, ceux que tout le monde connaît normalement. Voilà, donc voilà, j'ai chopé aussi Ponyta, je l'ai eu dans un œuf, j'ai eu de la chance. J'étais un peu déçu, niveau 108, j'aurais espéré plus, étant donné que c'était 5 km je crois, et qu'on avait bien carburé ce jour-là, bah c'était juste qu'on est descendu des boules en fait. On a marché encore, et puis là ça m'a dit un œuf va éclore, et ça m'a ramené Ponyta. Donc voilà, j'ai vraiment pas mal de bons petits Pokémon et de gros Pokémon, mais comme je vous l'ai dit, je les ai fait évoluer pour la vidéo, et ça me fait plaisir de vous avoir fait évoluer ces Pokémon en espérant que ça vous plaît, que vous trouvez Pokémon assez stylé. N'hésitez pas à me dire quel est le Pokémon pour vous qui est le plus beau ici. Et n'hésitez pas à mon Twitter, @gamex13, à m'envoyer vos petits Pokémon pour vous montrer un tout petit peu votre petite collection de Pokémon. N'hésitez pas. Je vous remercie de m'avoir regardé et de m'avoir écouté. N'hésitez pas à exploser cette barre de like pour une suite. Et on fera une suite un peu plus cool avec une petite intro. Pourquoi pas une petite intro Pokémon, ça pourrait être sympatoche. Et si vous aimez, vous faire un tout petit peu des vidéos IRL, ça pourrait être sympa pour deux choses. Pour ceux qui aiment les vidéos IRL et pour ceux qui aiment les Pokémon. Ça vous fera en fait une vidéo IRL Pokémon. Ça vous fera une sorte de Pokévlog ou Vlog Poké ou ce que tu veux. Voilà. Bref, voilà, ça pourrait être sympa. Voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et abonnez-vous pour plus de vidéos. J'espère que vous aurez aimé la vidéo. Allez, ciao tout le monde !